Hey, bonjour élèves harmoniciste. Nouvelle vidéo du samedi midi. Nous allons célébrer ensemble la mémoire de Dick Rivers qui vient de nous quitter. Dick Rivers, c'était pas le rocker français le plus connu et pourtant, il a vendu énormément de disques, il a vendu des millions et des millions de disques depuis les années 60. Dick Rivers, c'était les Chats Sauvages et puis c'était Dick Rivers en solo. Dick Rivers était connu en Angleterre et aux États-Unis. En Angleterre, il a même participé à une émission de variété où il était présenté par les Beatles. Rien que ça, comme soutien, on peut faire pire. Hein. Évidemment, quand on pense à Dick Rivers, on pense aux Chats Sauvages, on pense à Twist à Saint-Tropez. Mais bon, pour moi, Dick Rivers, c'est plutôt les années 80, puisque je suis né en 72 et j'ai commencé à écouter Dick Rivers quand il passait à la radio, et notamment avec ce tube Nice B des Anges. C'est ce morceau que je vais t'interpréter sur mon harmonica bête de course en si bémol. Et si toi aussi tu veux apprendre à jouer ce morceau, je t'expliquerai à la fin de la vidéo comment tu peux apprendre à le jouer. Ok, tu as aimé ce morceau ? Super ! Pour apprendre le jouer, rien de plus simple, il te suffit de cliquer sur le « i » comme invitation ou sur le lien en description de cette vidéo. Tu vas être redirigé vers le catalogue de tous les cours que je t'apprends à jouer en vidéo.
Le principe est simple, tu me vois travailler le morceau, je t'explique tout ce que je fais pour que tu puisses partir de la partition, du déchiffrage de la partition jusqu'à l'interprétation et même l'improvisation. Le but n'étant pas de faire exactement ce que je fais, mais que toi aussi tu puisses inventer ta propre interprétation et ton propre solo, c'est-à-dire tes propres phrases d'improvisation. Voilà, voilà, donc le i comme invitation ou le lien en bas de cette vidéo dans la zone de description. Et on se retrouve bien évidemment samedi prochain. Samedi, oui, mais samedi midi.